Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de Tracking. Au sommaire, dans ce 16e numéro, on parlera de déplacement avec des nouvelles chaussures pour la réalité virtuelle, de Beaptix qui met les bouchées doubles pour proposer toujours plus de jeux compatibles avec sa veste, du Blackjack qui arrive dans le jeu de poker PokerStars, et on terminera enfin, comme d'habitude, par les sorties du moment avec pas mal de jeux pour le PlayStation VR cette semaine. Et on commence ce nouvel épisode avec des nouvelles de SideQuest qui vient de récolter une jolie somme qui devrait lui permettre de survivre encore quelques temps sous sa forme actuelle et dans une vision plus lointaine d'adapter son service. SideQuest est principalement connu pour permettre aux développeurs de proposer leurs applications aux consommateurs sans passer par le store officiel d'Oculus, cela peut être pour tout un tas de raisons, comme une application qui ne respecterait pas les standards de qualité imposés par Oculus, ou quand on veut aller par exemple plus vite pour publier son application et avoir des retours rapidement, etc. Depuis sa création, le service développé par Shane Harris et Orla Harris est devenu incontournable pour tous les utilisateurs d'Oculus Quest, on y trouve du contenu gratuit ou payant, et son installation est très simple, il suffit en effet de passer son casque en mode développeur pour en profiter, l'équipe a récemment décidé de s'agrandir face au succès rencontré et a récolté pas moins de 650 000 dollars avec notamment des fonds provenant de Palmer Luckey qui souhaite que le marché de la réalité virtuelle s'ouvre un peu plus au lieu de se refermer comme le fait actuellement Facebook avec Oculus. Facebook a en effet récemment décidé de resserrer la vis en contrôlant bien plus son écosystème. Par ailleurs, la société a annoncé la semaine dernière qu'elle prévoyait de commencer à autoriser les applications ne remplissant pas tous les critères sur son infrastructure de manière non répertoriée. Et l'avenir de SideQuest tel qu'il existe aujourd'hui semble donc plus que jamais incertain. SideQuest étant au fil du temps devenu un vrai concurrent à l'Oculus Store. Bref, on suit tout ça de très près et dès qu'on a plus d'infos, on vous en parle. Allez, on enchaîne avec un autre projet indépendant mais complètement différent cette fois, les chaussures de marche en réalité virtuelle représentent un concept de déplacement qui semble intéresser plus d'un développeur. On avait déjà évoqué dans l'épisode 9 de Tracking les chaussures d'Alexander Evans, mais cette semaine c'est l'entreprise américaine EctoVR qui présente son concept baptisé EctoOne. Les chaussures utilisent actuellement des Vive Tracker pour leur suivi en réalité virtuelle, et cette fois-ci pas de roulette, là les chaussures s'adaptent à notre façon de bouger en tirant l'utilisateur en quelque sorte dans une position bien précise afin de lui donner l'illusion qu'il avance. En gros, si vous mettez votre pied en avant, la chaussure ira en arrière. Un concept original qui, comme on peut le voir sur les images, est encore loin de vraiment nous vendre du rêve. C'est pas demain qu'on va se mettre à courir en jouant à Skyrim, mais encore une fois, le concept et les idées sont là, à voir ce que ça donnera à l'avenir. Pour le moment, c'est réservé aux professionnels. Allez, un accessoire qui lui est réservé aux professionnels mais aussi accessible au grand public, les vestes haptiques. À ne pas confondre avec les subpacks hein, qui sont grossièrement un simple caisson de basse portatif. Les vestes haptiques, elles, permettent de ressentir des vibrations dans des points précis grâce à une combinaison de vibreurs installés dans la veste. De cette façon, on peut par exemple ressentir dans un FPS une balle qui nous toucherait en plein dans le dos ou encore sentir un serpent se balader sur notre corps. Le fabricant Beaptix est clairement un des leaders sur le marché, relativement restreint, hein, et celui-ci annonce cette semaine une compatibilité avec pas mal de nouveaux jeux comme le FPS de simulation Onward, mais aussi Pavlov, Zero Calibre, Crisis Verigade 2, le prochain MMORPG Elysia, Bonework, Superhot ou encore Gorn. Bref, le fabricant a mis les bouchées doubles cette semaine pour augmenter le nombre de jeux compatibles avec son produit. Alors si ce genre d'accessoire vous tente, il faut tout de même savoir que c'est pas donné, hein. Il faut compter environ 500$ pour la veste seulement, et ça peut vite monter si vous souhaitez obtenir le pack complet avec les poignées et les accessoires pour les vibrations dans le casque. Si ça vous intéresse, vous retrouverez tous les liens en description. Si Sony reste très discret sur un PlayStation VR 2, on sait tout de même que celui-ci est à l'étude depuis quelques temps maintenant. En attendant de le voir débarquer, les joueurs pourront toujours utiliser leur PlayStation VR 1 sur la prochaine console du géant japonais en utilisant un adaptateur mis à disposition gratuitement mais sur demande. Les PS Move sortis pour la PS3 auront donc vécu sur 3 générations de consoles et il serait bien temps de changer tout ça un jour ou l'autre. Et aujourd'hui, c'est justement un brevet qui concerne des futures manettes pour le PlayStation VR qui a été débusqué par le site Let's Go Digital. On peut y distinguer un design largement inspiré des contrôleurs du Valve Index, avec enfin un joystick hein, qui apparaît clairement et un demi-anneau latéral pour le suivi des mouvements qui semble nécessiter le casque pour fonctionner. On peut aussi évidemment imaginer un tracking des doigts, d'ailleurs on l'avait vu en début d'année dans une vidéo provenant des laboratoires de recherche de Sony. Alors évidemment comme à chaque fois avec les brevets, il faut être prudent car on peut trouver un peu tout et n'importe quoi et ce n'est pas garanti que ça sorte dans cet état-là, mais cela n'en reste pas moins une preuve de plus que Sony ne lâche pas l'affaire, bien que sa communication sur le produit se fasse bien moins présente cette année. Allez, on passe à l'actualité jeux vidéo maintenant avec Stargaze, développé par le récent studio polonais Plays With Fire et prévu pour la fin d'année sur les casques PCVR. Donc Stargaze, c'est un jeu qui sort des sentiers battus en proposant une histoire inspirée du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. On y incarnera un astronome qui observe la vie sur différentes planètes et on devra consigner tous les événements marquants des espèces vivantes mais aussi découvrir leurs secrets. Stargaze proposera donc un gameplay passif et relaxant. Pour leur premier jeu, les développeurs de Plays With Fire ont souhaité créer une aventure qui s'adresse aussi bien aux enfants comme aux adultes, d'où l'inspiration du Petit Prince, Petit Prince qui est le second livre le plus traduit dans toutes les langues au monde, le premier étant la Bible.
Encore une fois, les développeurs d'Hello Games ont surpris la communauté en apportant à No Man's Sky un nouveau patch avec plein de belles surprises. Intitulé Origins, cette nouvelle mise à jour rajoute énormément de contenu faisant du jeu ce qu'il aurait dû être à son lancement en 2016. On programme donc encore plus d'exploration avec des nouvelles planètes, des systèmes binaires voire tertiaires à explorer, l'implémentation de nouveaux nuages et de différents effets de météo avec notamment des tornades, la diversité des espèces qui se multiplient, que ce soit la vie animale ou végétale, on a de nouveaux événements inédits avec des chutes de météorites, ou des volcans qui entrent en éruption, des nouveaux sites historiques à visiter, des planètes entièrement infestées de végétation et encore tout un tas d'autres surprises. Bref, si vous souhaitez vous faire un bon jeu d'exploration seul ou avec vos amis, No Man's Sky est un titre à ne pas manquer qui a complètement redoré son blason depuis sa sortie assez chaotique à l'époque. C'est disponible sur les casques PC VR et PlayStation VR. Si vous aimez le poker, vous connaissez certainement Poker Star, disponible sur les casques PCVR. Devenu un incontournable avec le temps, ce jeu de poker jouable jusqu'à 8 joueurs en simultané vous garantit des parties riches en émotions. Les joueurs peuvent en effet débloquer en partie tout un tas de bonus sous différentes formes qui ont grandement participé au succès du jeu. De plus, les mises à jour apportant du nouveau contenu, comme de nouveaux environnements à thème par exemple, sont très fréquentes. Enfin, le jeu est gratuit, bref, si vous aimez le poker, on vous le recommande chaudement, et il y a toujours du monde sur les serveurs, donc ça serait dommage de passer à côté. Mais si c'est le blackjack que vous préférez, eh bien vous pouvez être content, car celui-ci arrive également très bientôt. Les développeurs sont effectivement en train de peaufiner les derniers réglages avant la mise en ligne, et préviennent que d'autres nouveautés sont encore à prévoir à l'avenir, donc si ça vous intéresse, c'est disponible sur Steam et l'Oculus Store pour le Rift. Allez, on passe maintenant aux sorties de la semaine très nombreuses. Donc la semaine dernière, on a eu droit à beaucoup d'annonces concernant les jeux, mais cette semaine, les choses s'accélèrent avec enfin de nombreuses sorties et en particulier sur le PlayStation VR, à commencer par Minecraft qui reçoit sa mise à jour gratuite pour rendre le mode VR compatible. Il est donc désormais possible de construire le monde de vos rêves directement depuis votre casque VR sur PS4. Alors un petit point noir malgré tout, cette version est compatible uniquement avec la manette DS4, mais hormis ça, le portage est d'excellente qualité et c'est bien sûr tout le jeu qui est compatible. Vous pourrez donc dès cette semaine explorer l'immense carte du jeu, seul ou avec vos amis. Minecraft est jouable jusqu'à 8 joueurs, donc la version VR est gratuite si vous possédez le jeu, sinon il vous faudra l'acheter et ça coûte actuellement un peu moins de 20€ sur le PS Store. Disponible depuis plus de 2 ans déjà sur les casques PC VR, le premier épisode de Budget Cuts arrive enfin sur PlayStation VR. Et si je dis premier épisode, c'est parce que le titre du studio Net Corporation dispose déjà d'une suite sortie cet hiver, et elle aussi dispose sur les casques PC VR. Dans ce jeu d'infiltration, vous incarnez un employé du méga conglomérat Transcorp, et votre job consiste à tamponner des papiers toute la journée et à classer des dossiers. Malheureusement, Transcorp est une entreprise spécialisée dans la fabrication de robots à faible coût, et bientôt votre poste sera menacé, et vous aussi. Bref, on va devoir éviter de croiser le chemin des gardes à tout prix au risque d'y laisser notre peau. Alors Budget Cuts était lors de sa sortie un titre bourré de qualité, maintenant à savoir si celui-ci n'a pas un peu trop vieilli avec le temps, avec par ailleurs des déplacements uniquement en téléportation, à vous de juger, et si dégommer des robots avec des couteaux vous tente, c'est disponible sur PlayStation VR pour 25€. Après avoir envahi le PlayStation VR et conquis le cœur des joueurs avec le très bon Firewall Zero Hour, le studio First Contact Entertainment revient avec Solaris, un nouveau FPS multijoueur, regroupant au total 8 joueurs sur des matchs en 4 contre 4. Solaris propose des combats armés avec un seul mode de jeu pour le moment, capture de zone. Avec Solaris, les développeurs ont complètement changé de style graphique, Firewall se voulait plutôt axé simulation avec des décors réalistes, mais Solaris lui se veut bien plus dynamique, mais tout aussi tactique. Les joueurs peuvent courir, sauter et même slider dans tous les sens pour mieux surprendre leurs adversaires. C'est disponible sur les casques Oculus pour Rift et Quest en cross-platform et en cross-buy, ce qui signifie que si vous l'achetez pour Quest, vous avez également la version sur Rift incluse et vice-versa. C'est aussi prévu sur PlayStation VR à l'avenir, on n'a pas encore de date, sinon niveau prix ça vous coûtera 25€. Déjà disponible sur les casques PC VR, le jeu de rythme O-Shape arrive sur PlayStation VR cette semaine. Alors ici, le principe est simple, vous devez bouger votre corps pour le faire correspondre aux formes qui vous arrivent dessus en rythme avec la musique. C'est bête comme tout, et même si visuellement ça n'a pas l'air incroyable, c'est plutôt physique et on se laisse assez facilement prendre au jeu. Si sur PC il est possible d'installer ses propres musiques, sur PlayStation VR, les développeurs indiquent que le jeu recevra des mises à jour à l'avenir pour apporter plus de contenu. Donc si vous avez la flemme d'aller à la salle de sport, vous pouvez toujours acquérir O-Shape pour 20€. Développé par Sin Studio, Swordsman est un jeu de combat médiéval qui propose une physique qui se veut réaliste et qui propose une histoire. Dans le monde de Swordsman, le Jotun se rend sur Terre pour tenter d'asservir toute l'humanité. Vous devrez incarner un combattant en sélectionnant votre propre style de combat, chevalier, viking, mongol ou samouraï. Vous pourrez ensuite améliorer votre guerrier au cours de votre progression en améliorant votre armure, votre arme, etc. Donc on n'est pas encore sur de la physique comme Blade & Sorcery, c'est pas parfait, mais si vous aimez les jeux de combat, ça peut vous plaire. C'est disponible sur Steam pour les casques PC VR, et sur le PS Store pour PlayStation VR, et ça coûte une 15aine d'euros.
Reprenant ce qui a fait la gloire des donjons de crawler de l'époque, Operencia The Stolen Sun vient de recevoir sa mise à jour VR. Tout comme Minecraft, celle-ci est gratuite si vous possédez le jeu original. Se jouant à la première personne, vous devrez rassembler une équipe pour les guider dans un monde inspiré de la mythologie d'Europe centrale. On y retrouve des combats en tour par tour, des énigmes et des puzzles à résoudre dans des tombes, des donjons, des châteaux féeriques et même une forêt de cuivre. Toute adaptation qu'il soit, Operencia est avant tout pensée pour les écrans plats et ça se ressent pas mal malheureusement sur son gameplay. En tout cas, ça coûte 25€ sur PC et 30€ sur PlayStation VR et c'est à réserver aux fans du genre. 4 ans après sa première démo, Gnomes and Goblins arrive enfin sur les casques PCVR. Entre expériences cinématographiques et jeux vidéo, Gnomes and Goblins offre aux joueurs une occasion d'explorer un monde VR enchanté, créé par un grand nom du cinéma, Jon Favreau, réalisateur de la série Mandalorian ou Iron Man. Les joueurs y rencontrent et développent une relation émouvante avec les Gnomes. Si la démo disponible il y a 4 ans demandait un espace de 2 mètres carrés pour y jouer, la version finale intègre elle des déplacements fluides. C'est super joli et c'est mignon comme tout, bref, si vous avez envie de vivre une expérience qui change des jeux de shoot en réalité virtuelle, c'est à faire, par contre attention c'est très court, et c'est super gourmand en ressources, donc préparez les ventiles auprès du PC. Si vous avez envie de visiter la forêt enchantée, c'est disponible sur Steam pour 25€. Allez, on change d'ambiance maintenant avec Phasmophobia sur PCVR, un jeu d'horreur jouable en coopération à 4 joueurs. Vous y incarnez un spécialiste du paranormal dans des lieux hantés. Vous pouvez choisir de soutenir votre équipe en surveillant les lieux avec des caméras de surveillance et des capteurs de mouvement depuis la sécurité de vos camions, ou vous rendre à l'intérieur des bâtiments et affronter vos pires peurs. L'activité fantomatique deviendra au fil du jeu de plus en plus hostile avec le temps. Si ça vous intéresse, c'est disponible à tout petit prix, un peu plus de 10€, et les critiques sont unanimes, c'est bien angoissant et idéal à faire avec ses amis. Et on termine avec Propagation VR du studio Wanadev, disponible gratuitement sur Steam pour les casques PCVR. Propagation est lui aussi un jeu d'horreur jouable en solo par contre, mais tout aussi angoissant. Immergé dans un métro, nous allons devoir affronter des vagues et des vagues d'ennemis qui vont de l'humain zombifié aux gros monstres, comme des araignées géantes par exemple. Propagation VR est le premier test grand public du studio français qui est d'ordinaire implanté dans les salles d'arcade. Avec ce premier essai, l'équipe espère récolter les critiques des joueurs pour voir ce qui plaît ou non, pour potentiellement proposer à l'avenir un jeu plus complet. Donc c'est gratuit, ça dure une trentaine de minutes et accrochez-vous car on sursaute assez facilement. Allez, c'est tout pour ce numéro 16 de Tracking et on va se quitter aujourd'hui avec des images de la marque de bonbons Pucho qui a réalisé une expérience un petit peu particulière en développant un accessoire qui se fisque sur un casque VR et qui distribue des bonbons à son utilisateur. À l'intérieur, une petite amie virtuelle vient vous nourrir les fameux Pucho, un bonbon assez prisé au Japon. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus d'actualité. Salut tout le monde, ciao! Oh.